Yo tout le monde, c'est Néo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment incliner n'importe quel objet et mettre n'importe quel objet ou les faire, enfin mettre n'importe quel objet n'importe où et surtout les faire faire traverser les murs par des objets. Donc par exemple, là j'étais dans les bateaux, d'ailleurs j'ai un petit bonus à vous présenter à la fin. Donc vous devrez créer un affrontement ou aller dans une course et soit l'un soit l'autre, ça marche dans les deux en tout cas. Donc vous allez aller dans éléments de décor et par exemple si vous voulez incliner, je dis une connerie, un conteneur. Donc par exemple moi je vais me mettre sur la route là-bas. Donc une fois, donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir poser le premier conteneur. Et une fois que vous aurez posé le premier, vous allez aller dans machine, dans machine. Une fois que vous êtes dans machine, vous allez poser la première machine, la reprendre et là vous allez la placer à l'intérieur. Alors là ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas la poser, enfin ne pas, vous pouvez la poser hein, c'est pas grave, mais si là par exemple je viens la poser, mais si jamais vous la posez, c'est pas très grave, vous suffit juste de la reprendre histoire qu'elle soit en train de flotter quoi. Du coup, je répète la manip, une fois que vous avez posé le conteneur, vous allez dans machine, vous la posez, vous la reprenez, vous la mettez à l'intérieur du conteneur. Et là, c'est la manip qu'il va falloir faire assez rapidement et qui est un peu dur à faire. Ce que vous devrez faire, donc vous voyez que là, à côté, il y a une rampe, donc je vais l'incliner pour pouvoir faire, pour pouvoir incliner du bon sens, enfin, pas du mauvais sens, mon conteneur. Donc ce que je vais faire, c'est que va falloir faire en fait flèche de droite et juste après appuyer sur A. Donc là je vais faire flèche de droite et appuyer sur A. Donc, et si ça n'a pas marché comme là, vous faites flèche de gauche pour revenir sur la machine et vous recommencez. Donc là je vais faire la manip. Tac. Tac, là ça n'a pas marché. C'est vraiment dur. Hein. Voilà, vous voyez que là j'ai fait flèche de droite et directement après A. Donc vous essayez un petit peu super rapidement ou un petit peu plus lent, mais pas trop. Et du coup vous voyez que j'ai posé ma rampe à travers le conteneur. Donc ce qu'il faut faire maintenant, vous allez aller dans chantier, prendre le premier truc de ciment, le poser, puis le reprendre, et là venir sur le saut et là faire flèche de droite et appuyer sur A pour pouvoir avoir accès au conteneur. Donc ce qu'il faut faire, c'est flèche de droite et voilà, et appuyer sur A, et du coup vous avez vu que mon conteneur s'est incliné. Donc après vous avez juste à supprimer la rampe. Et après, voilà, je vais me mettre en vision du personnage. Donc, vous avez vu que ma rampe est bien inclinée. Et donc, vous pourrez faire franchement des affrontements vraiment what the fuck. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait un extrait de vidéo. Je vais vous montrer vite fait l'affrontement que j'ai créé avec ce genre de glitch. Donc, après, vous pouvez vraiment monter assez haut. Alors, après, il y a une petite limite où vous ne pourrez plus incliner le conteneur parce que ce sera vraiment trop incliné. Donc par exemple là je vais recommencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans machine, je la pose, je la reprends, après je la mets dans le conteneur, je fais droite droite A, flèche de droite A, donc tac voilà je l'ai posé. Après je vais aller dans chantier, je pose, je reprends, donc vous voyez que c'est là maintenant si je la mets au milieu, ça va pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre là et avancer vraiment tout doucement. Donc vous voyez qu'à un moment ça va devenir bleu. Donc là voilà, vous voyez, enfin bleu, violet, tac. Et une fois que c'est là, vous dézoomez et vous avez juste à faire droite, flèche de droite et A. Donc je vais essayer, tac, tac, ça marche pas. Voilà. Et donc vous voyez que plus on fait ça, plus on incline l'objet. Et donc après, vous pouvez continuer à l'incliner autant que vous voulez. Donc on va suivre à la deuxième partie de ce glitch. Donc du coup vous devrez, pour pouvoir faire traverser n'importe quel objet à un mur, donc par exemple on va prendre je sais pas moi, voyez, ben voilà, là il y a un mur. Donc par exemple là vous voulez faire traverser ce conteneur dans le mur, donc vous voyez que là je peux pas le poser, impossible, la zone doit être dégagée. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans le chantier où ça marche pour n'importe quel objet. Si vous voulez par exemple là il y a une rampe,
ben, elle passe pas, donc vous allez faire la même chose que je vais vous dire. Donc moi je vais faire avec le conteneur, donc là vous avez juste à faire flèche droite et A, et du coup en essayant un peu plus de fois, parce que là c'est un peu plus galère, et ben au bout d'un moment le conteneur, voilà, comme vous l'avez vu, va traverser le mur. Donc voilà, donc vous avez vu que c'est pas un fake, hein, et je vous rassure que ma console n'est pas modée, vous pourrez tester de vous-même et vous verrez que je ne dis pas de conneries. Donc c'est à peu près comme superposer des conteneurs ou n'importe quel objet, sauf que c'est un peu différent, j'ai pas mal cherché quand même. Enfin bref. Et donc on va passer à la petite astuce, enfin le petit bonus je veux dire, c'est pour faire spawner aussi n'importe quel bateau, mais qui soit pas dans l'eau. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que vous allez aller dans véhicule et vous voyez que là le bateau, je ne peux pas le poser, c'est logique, il est sur le sol. Et donc imaginons, normalement vous pourrez poser que le Dingy. Je sais pas si ça se dit comme ça, enfin bref. Donc là, moi, si j'ai envie de le poser là, par exemple, je vais aller dans les compacts, donc ce qu'il a, donc la force en flèche de droite, et là, je vais faire flèche de gauche et en appuyant sur A, appuyer sur A juste après. Donc je fais flèche de gauche, A. Donc là, je vais essayer pas mal de fois parce que là, c'est un peu plus galère avec les véhicules. Mais au bout d'un moment, voilà, vous voyez que le bateau s'est posé sur le sol, alors que normalement, on peut pas. Donc je sais, ça fait un peu bizarre, il est en train de voler, mais si vous approchez, il va tomber. Et donc après, bah, vous pourrez faire, comme je vous ai dit, des affrontements complètement buggés, enfin vraiment des trucs, what the fuck. Enfin bref, j'espère que ce glitch vous aura plu, enfin que ces trois petits glitchs vous aura plu. Et donc si ça vous a plu, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je viens de m'éclater comme une merde au sol. Je tiens à vous dire que je vais envoyer cette vidéo à la Glitchak.fr et sûrement d'autres chaînes communautaires que enfin je verrai bien à qui je vais les envoyer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je l'enverrai à la Glitchak.fr. Bref, j'espère que ce glitch vous aura plu et moi je vais vous dire à la prochaine. Ciao tout le monde.